Moi, salut tout le monde qui a regardé vidéo ça. Yon joue une histoire en conseil avec un psychologue Simon ou même qui pourquoi abonner dans la chaîne YouTube. Moi, profitez, faire ça qu'on y a même abonné. On peut écouter qui s'abonne ou bien subscribe. Cliquez sur lui et cliquez sur petite cloche là. Cliquez sur tout pour qu'on puisse toujours recevoir notification de nous poster en vidéo. Je dis, moi, je vais parler de la résilience. Résilience, ou qu'on a toujours entendu parler de résilience. Je parle des peuples haïtiens, son peuple qui est résilient. Eh bien, est-ce que vous ne pouvez pas poser d'autres questions? Ou qu'on a essayé des pays, malgré son pays côté économie instable, mon a un bon travail, il a fait un pile d'argent, et puis tout autant dit, mon a suicidé, mon a tué tête yo. Côté autant dit, mon a perdu le job, il a tué tête li. Ou bien ils font tentative de suicide, ils essayent. Et, ou qu'on soit que mari ou bien madame quitte, ménage quitte, mon a décidé pour lui font tentative de suicide, ou bien ils vivent tuer tête li, les suicider. Ou bien, pendant que deux moun, ou bien un groupe de, deux groupes de moun dans une situation difficile, gagnent qui effondré dans tristesse, dépression, et puis gagnent l'autre même, malgré tout problème ça yo, malgré toute difficulté ça yo, abandon, maladie, guerre, souffrance, déception, malgré ça yo, lui même lui résister, et lui tellement résister, et bien lui arriver, surpasser, lui arriver, surmonter toute difficulté ça yo, pour lui capable vivre d'une façon acceptable et river grandi. Il y a un monde qui connaît, un monde qui mourit en deuil, soit maladie, mauvais moment, moment difficile, catastrophe naturelle, et puis malgré moment difficile, compliqué ça, ou un monde ça pas laisser tomber dans une profonde tristesse ni en dépression. Eh bien, lui monter. C'est un coup sur un monde qui t'est tombé, et puis ou pas été à terre, a souffri, mais ou campé, ou levé, ou avancé. Eh bien, résilience là, c'est un terme qu'on utilisait longtemps, longtemps dans la science physique. Il était considéré comme une aptitude et qu'il y a encore gagné pour résister à un choc. Une capacité qu'on a gagné, une façon qu'on a capable de résister à un choc. Eh bien, vers l'année 1940, on sait des psychologues scolaires américains qui viennent adapter thème ça, la résilience, dans la psychologie. Ils viennent considérer comme une capacité que les gens gagnent pour capable de résister. Une capacité que vous gagnez pour capable de vivre malgré des moments difficiles, malgré adversité. Eh bien, ou capable réussir. Eh bien, même si moment difficile, les lapins, car en Haïti, par exemple, ou qu'on ait gens qui n'a vivent, eh bien, n'a pas les différences par rapport à l'ancien de l'autre pays, comment on y a vivre. Eh bien, nous dit, peuple haïtien, son peuple qui est résilient. Eh bien, parfois, ou qu'on a imaginé pour un coteau sauté, dans une zone coteau sauté, hein, et qu'on y a koto et qu'on y a gens qui vont vivre qu'on y a ouais on sait des situations difficiles qui ont été passées dans la vie depuis tout petit. Il y a des gens qui regardent des vidéos là depuis tout petit, papa est mort ou bien maman est mort, c'est avec ma tante ou bien avec grand lit à vivre depuis tout petit. Tu as un abandon, papa t'a abandonné, ou bien tu as un deuil qui était précoce. Côté tes grand monde qui t'est mouri pendant lui même dit tout petit la vive moment ça a moment de souffrance ça yo. Il y a des monde dans pays côté au fait là côté t'es gain guerre, ont passé des moments difficiles, et malgré ça moment difficile ça yo, ou un monde ça réussi, ou un monde ça pas quitter dépression aller avec elle, il pas quitter tristesse finir avec elle. Eh bien, les résister, les lutter, les traverser moment ça, eh bien, pour les faire succès. Ou bien pour les vivre
d'une façon acceptable dans la société. Eh bien, c'est ça, la résilience. La résilience. Eh bien, est-ce que la résilience, là, c'est un bagage inné ou bien c'est un bagage qu'on a cultivé? Inné, c'est un bagage qu'on fait avec. Cultivé, c'est un bagage qu'on a monde qui a cultivé, un monde préparé pour capable, un monde qui est résilient. Eh bien, dans en pile d'études qui fait, yo pas trouvé un gène spécifique qui a dit yon moun l'a fait ou résilient ou pas. Mais yo découvri que les petits bébés fait dans premier moment ti moun nan fait là, premier minute yo. Ti moun nan fait là, yo découvri dans cerveau yon série de hormones tant que dopamine, sérotonine yo jwenn yo libéré à une quantité qui élevée qui yon se yide l'autre timoun. Si gen deux timoun ki fèt, ou ka apre, gen yon ki yon quantité élevée de dopamine et sérotonine, hormone sa yon, et puis gen yon l'autre même ki pa gen même quantité sa. Ça vle di nou même, nou différent. Nou pa réagi même gen nan situation. Nou deux ka gen yon problème, même problème là, ou bien pam nan ka pi grave passé ou. Moi même, même gon capacité la kay mwen pour me surmonter épreuve ça et ou même ou pa gen même capacité là ou tomber dans tristesse, dépression, pas ka manger, ça ka arrivé ou ka nan moment de tristesse mais ou pa rete là-dedans pour tout temps. Nous même nous différents, nous pa gen même capacité, nous pa gen même âme pour nous goumen ou pour nous combattre face à une situation, pour nous faire face à une adversité, une situation difficile, nous pas gain même capacité, chaque monde différent. Eh bien, gain nous dit que gain tout monde depuis le fait ou il y a un qui plus actif que l'autre psychiquement, monde ça plus actif, plus habile parce que dopamine, sérotonine, yo libéré en grande quantité la caillou et comme ça tout gain l'autre monde. C'est à cause des moments difficiles qui passent dans la ville, depuis le tout petit, ils passent des moments difficiles, moments compliqués dans la ville, eh bien, ils viennent tellement faire face à des moments dans la ville, moments compliqués, moments difficiles, ils viennent avoir endurance, ils viennent avoir force, avoir maturité pour être capable d'affronter l'autre moment qui vient dans la ville et ils viennent préparer mentalement. Psychiquement, moun sa vin préparer pour conseiller des situations qui passent normalement. Comment moun sa fait? Mais les tellement te vivons des moments avant, mentalement, les vin préparer. Et ouè moun sa conseiller des moments qui étaient difficiles qu'elle te vive avant, les te surmonté yo. Conseiller des épreuves, les te surmonté yo. Ça veut dire, moun sa kol vin préparer. Eh bien, gen fwa tout c'est nan famille ki ou levé gen support familial côté papa toujours présent ensemble avec ou maman t'est toujours là pour le faire sentir que ou en sécurité. Ça important en pile ti moun nan senti li gen confiance, li en sécurité et kon sa tout entourage kèl gen ou zanmi soit moun ki nan kati moun ki li reconnaît li fè connaissance ensemble avec yo. Yo même gagnent collaboration ou senti ou en sécurité. Tout ça vous permet ou cap cultiver ça les résilience la caillou par expérience que vous fait expérience ou vécu tout ça expérience personnelle capable faire que ou même ou venir cultiver résilience la caillou. Résilience là pas veut dire que ou accepter cotoyer non ça veut dire que ou accepter situation que on vit là non au contraire ou bat pour lutter pour sortir dans situation que ou hier ou refuser rester dans situation qui côté hier pour capable traverser dans l'autre situation qui favorable côté on sent tout plus bien. Eh bien nous est résilience là l'important en pile l'on regarder conseiller des pays. Moun nan perdu travail, li tuye tèt li. Pour n'importe ti bagay, moun nan tuye tèt li. Facile.
Eh bien, nous-mêmes haïtiens, nous pas dire nous tout en général, mais la majorité, nous avons conseillé des situations, nous passons tremblement de terre, 2010, nous la pire, nous passons choléra, nous la pire. Ça veut dire, nous-mêmes sommes peuple qui est résilient. Mais là, les regarder pour chaque individu, chaque grand monde en Haïti, poser cette question, est-ce que nous-mêmes sommes monde qui est résilient? Analyser pour eux, lancer des situations pour eux, que vous trouvez là-dedans. Est-ce que vous quittez ou effondré, ou quittez ou tombé dans la tristesse, ou quittez ou tombé net dans la dépression, ou pas jamais essayer de battre pour combattre, pour chercher moyen pour lever? Eh bien, le ça, ou pas réfléchir, ou pas dire, est-ce que moi-même suis un monde qui est résilient? Est-ce que moi, dans quelle catégorie que vous êtes? Il y a deux catégories. Il y a une catégorie 1, par exemple, moun sa, n'importe problème qui vient dans la vie, il est campé pour le faire face à elle. Il dit moi-même, il faut me lever côté mien là. Je ne peux pas rester dans la situation ça. Il faut que je sorte dans la situation ça. Il y a un défi pour me lever. Catégorie 1 ça, il dit il y a un défi pour me lever. Il faut que je sorte là. Je ne peux pas quitter tristesse ni dépression, ça tue. Je ne peux pas quitter deuil, ça finit avec. Maladie, ça ne peux pas quitter le fini avec. Épreuve, ça, pour me surmonter, épreuve, ça. On va chercher des façons pour me surmonter. Eh bien, il faut me sortir là, il faut m'avancer, il faut me faire succès. Eh bien, moun sa tout, catégorie 1, ça, m'a parlé de lien. Lui-même, les gros problèmes. Li utilise ça, li immune. Li fait blague avec même situation là. Li fait blague avec même problème qu'il a traversé. Li fait blague avec elle. Avec caractéristique ça qu'il gagne, li utilise immune. Ça permet li grandir, li pas quitter problème ça, épreuve ça, finir avec lui. Bien, li utilise immune, li fait des blagues. Sous situation. Eh bien, côté même Mounsa, dans la catégorie 1, lui-même lui dit que lui mettait en tant que un monde qui fort, qui a résisté, même si en dans blessé, même si en dans l'a souffri, mais dans l'entourage, il a toujours montré son monde qui fort, son monde qui capable de lutter dans la situation qu'il y a. Ça, c'est très important. Il y a un monde qui est résilient, catégorie 1. Moun sa son monde qui est résilient. Ça veut dire, il est toujours cherché moyen pour le sortir dans l'épreuve, ça. Pour le surmonter, l'épreuve, là. Eh bien, l'autre catégorie, a même, n'importe bagaille qui a un aspect négatif là-dedans, moun sa étant effondré. Tombé dans dépression, tristesse. Bon. Li pa ka leve, son moun ki tombe, eh bien ki tombe, ki rete a terre, ki pa jam fè efò pou leve, eh bien son moun ki pa résilient. Bon, deux catégories, ça fait même nous différents, chaque moun pa réagi même jan nan yon situation. Ça veut dire lò ap gade ou kon trouv nan situation ki tellement difficile et puis ou est au sorti dans situation ça ou après réfléchir ou dit qu'est après un nombre de temps a dit me sorti loin parce que quand situation était là-dedans ou pas trop comment pour te sortir mais ou t'es résisté quand même ou pas jamais abandonné ou pas jamais baisser les bois ou t'es toujours quoi qui va sortir quand même avait dit grand défi pour lever le monde qui est résilient c'est caractéristique ça qu'il gagne il toujours quoi que lui-même, il y a un défi pour le lever. Il y a un défi. Et il refuse d'accepter comme une victime. Il ne va pas accepter comme une victime. Il faut me sortir dans la situation. Ça. Et si je sortir là-dedans, mais qui est objectif qui me gagne, mais ça me voulait faire. Et ou il renonce, il ne va pas accepter, il refuse d'accepter comme une victime. Et vous devez utiliser humour ou faire blague. Même problème à traverser, ou fait blague avec elle, ça permet de sentir bien. Ça permet que
moun ki nan antouraj ou tout, pa itilize mouman sa a, pi yo kapab fò santi ou mal. Parce qu'on est grand-père, qui sont comme ça, dans une situation difficile, il peut profiter de ça, eh bien, pour être capable de sentir ou mal, de sentir ou pas rien. Mais ou même qui est résilient, ou résister, et jusqu'à ce qu'il soit capable de monter, pour capable de passer dans l'étape. Eh bien, il y a quelques petits conseils que je parle pour vous, pour connaître comment vous capable vivre chaque jour en tant qu'un monde qui est résilient. Nous parlons de renforcer les capacités que vous avez pour vivre comme un monde qui est résilient. L'important pour capable travailler ça, confiance la caillou, confiance dans tête ou. Ou de travailler ça, eh bien, il y a une estime personnelle. Par côté, c'est le monde qui parle du ou l'aide, eh bien, le monde qui parle du ou toi haut, ou toi coûte, ou un gros ventre, ou toi gros, ou toi mince. Eh bien, connaît bien, c'est vous-même qui premier garder dans miroir, premier garder dans glace, ou être tout, ou gagner connaître comment il est déjà. Pas quitter personne qui parle intimider, qui parle faire quoi, qui ou pas rien. Ou gagner connaître qui sont vous, eh bien, travail, confiance, la caillou, pour gon estime personnelle. Pour personne qui parle bon, le de ça, moun parle dit. Eh bien, ou de optimiste. Yon optimiste, ça veut dire que ou pas connaître existence en danger. Ou connaît existence danger, eh bien, ou cap toujours protégé ou pour pas tomber là-dedans, ou optimiste. Eh bien, concernant tout, ou devez flexible. Parce que, surtout, les gains changements. Ou pas devez ni trop dur, ni trop mou, surtout les gains changements, ou devez flexible. Parce que les gens, ils sont pas flexibles du tout. Ils veulent tout bagay fait dans telle façon. Mais si gain changement, ça va au problème. Et comme ça tout, vous devez entourer des gens qui sont positifs. Des gens qui sont positifs, ils apprennent aussi des choses qui font vous grandir. Comme ça tout, vous êtes capable de gagner une religion. Les gens qui ont une religion, les gens qui ont prié ou médité, eh bien, l'activité religieuse, vous pouvez permettre de renforcer confiance dans le bon Dieu, de renforcer confiance dans la caillou tout. C'est très important. Lors d'une situation qui est difficile qu'on a traversé au besoin ça. Et l'autre caractéristique qui m'a porté pour vous dans l'islam, parce qu'on dit ce qui est très long qui me fait pour tout, eh bien, vous capable de faire ça relais ou de reconnaissant avec ça que vous gagnez pour pas à troubler tout mais à paniquer tout pour ça que pour qu'on gagne mais ça que vous pas gagne parce que quand tout le monde qui gagne. Par exemple, si je crée ça, je suis satisfait avec ça. Je suis aimé que ça, apprécié parce que c'est lui-même qui me gagne. Je veux gagner un lot qui est plus belle, toujours, mais comme c'est ça, je gagne, je valorise. Je travaille dur pour me gagner l'autre bagaille qui me besoin. Par exemple, si je gagne une machine, je connais qui est un équilibre, eh bien, je suis satisfait de ce gagne. Ou tu as envie de gagner un dernier modèle là, ou tu travailles dur pour gagner un dernier modèle là, mais en attendant, ou apprécier et valoriser ça qui est dans la main, là, ça qui est pour, ça qui est gagné. Le valoriser, c'est comme ça que le monde se sentit heureux. Tout le temps, ou gagner un bagage, ou pas valoriser, ou battre pour gagner un lot, ou pas jamais heureux dans la vie, parce que ou pas jamais contenté avec ça qui est gagné. Ou de toujours battre pour gagner plus. Mais ça qui est gagné déjà, ou de apprécier, jouir. Jouer en attendant. L'on et l'autre là, ou a jouer tout. Mais pour le moment, c'est ça que vous gagnez, c'est libre de jouer. Parce que quand vous monde qui était, vous pensez à l'autre barrière qui vous pouvez gagner, vous presque fou pour lui, mais ça, vous gagnez en même temps, vous négligez. Vous pas prendre temps pour jouer, vous pas valoriser. Eh bien, on s'est tout capable de faire bénévolat, ou aller dans le centre, dans le côté, par exemple, ou aller passer son petit temps, ou aller faire service, ou faire bénévolat, ça peut aider autour. Pour capable surmonter une étape difficile, une épreuve qui a traversé, ou venir sentir un monde qui est utile. Eh bien, comme ça tout, ou devez accepter que ou pas qu'à changer toute bagaille. Il y a aussi des bagailles qui ont qu'à changer, il y a des bagailles dans la vie qui pas dépendent de vous, qui ont pas qu'à changer, pour pas frustrer. Il y a des bagailles qui ont qu'à changer, il y a des bagailles tout, qui ou pas qu'à changer ou pas de frustrer pour lui parce que gamba qui pas dépend de ou même ça dépend de ou qu'a fait effort pour changer ou changer gamba qui pas dépend de ou tout
de sa li ou pas qu'à stresser pour un bagay qui pas dépend de ou pas qu'à changer. Eh bien, vous devez développer créativité la caillou. Créativité, hein, ou capable de peinturer, ou capable d'écrire, ou faire activité qui vous remet. Parce que un monde qui a créativité la caillou, il inventé des activités, il fait des bagay, il imaginer, d'inventer, donc c'est des bagailles pour le capable faire, ça permet l'esprit toujours occupé. Eh bien, humour, alors utiliser humour, ça permet toujours de faire des blagues, ou toujours de sourire, ça permet de surmonter, donc c'est des épreuves qui ont gagné pour ne pas être focus tout le temps à penser à problème là, et puis ou toujours être là-dedans, ou pas jamais chercher, utiliser des mécanismes pour capable sortir là-dedans. Ou de chercher sens la vie, ou de gagner des buts clairs, ou des objectifs clairs, qui ont gagné, des barrières qui ont voulu réaliser, ou de gagner au clair, mais ça me voulait réaliser, les mêmes choses dans telle situation, mais ça me voulait faire, ou gagner objectif, ou gagner vision, ou gagner rage, ou envie pour vivre, ou gagner envie pour vivre, ou gagner rage pour vivre, ou envie vivre, ou envie sortir dans cette situation ça. Laisse ça ou pas chercher lutter contre adversité ça contre difficulté ça qu'a traversé là pour qu'a sorti là-dedans. Laisse ça ou même son monde qui est résilient, son monde qui pas accepter pour rester dans souffrance pour longtemps, pour tout temps. Ou pas accepter pour effondrer dans situation pour pas sortir là-dedans, faut qu'on sorti, faut qu'on plan ça, situation ça, faut qu'on sorti là-dedans, faut qu'on triompher, faut qu'on réussir. Forme vive, je ne peux pas accepter pour mourir, je ne peux pas accepter pour m'effondrer, pour tristesse finale, il faut avoir une capacité pour travailler sur lui. Et bien sûr, bah, il faut le faire chaque jour pour travailler sur ça. Je dis en premier lieu, il faut bâtir confiance, la caillou, confiance dans la tête et une estime personnelle. Et bien, comme ça, tout, je dis qu'il faut travailler ça, il faut être optimiste. Ou de optimiste, eh bien, ça peut le faire ou est de bon côté. Non, et on se débat pour être bon côté. Parce que il y a un monde qui toujours est mauvais côté seulement. Il n'y a pas jamais un côté qui est positif, il n'y a pas jamais un bon côté. Eh bien, l'homme optimiste, ou pas une capacité pour qu'après, bon côté, un côté qui est positif. Là. Parce que il y a un peu de fois, difficile ou plus focus sur le côté qui est mauvais, un côté qui est mal. Là. Mais oubliez côté grand pile pote grand pile priorité grand pile bagaille qui vous a bénéficié et bien vous tellement focus sur échec là ou focus sur bagaille mal qui passé là oubliez toute l'autre bagaille ou pas jamais qu'une autre opportunité qu'une autre porte qui ouvre pour vous encore mais ça l'optimiste, optimiste au travail ça la caillou ça va le permettre même les bagaille mal passé mon cas après des bons côtés là-dedans après côté qui a bien donc c'est des opportunités là dans le tout. Eh bien, ce petit conseil ça que nous devons pour nous, on a parlé de résilience. Pas oublier abonner dans la chaîne YouTube moi. Yon jou yon histoire en conseil psychologue Simon. Eh bien, abonnez qu'on est à sous pour côté faire ça. Invitez toutes amis ou famille pour qu'à abonner la chaîne là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu protège. Si vous aimez travailler à faire, abonnez là dedans.